Bienvenue à vous, nous sommes en direct du CIAL 2018 pour cette nouvelle édition qui donne pour la quatrième fois consécutive l'occasion de présenter une étude inédite sur les tendances alimentaires. Et cette année, cette étude est concentrée sur le goût, le vrai, le sens. Et elle a été menée par mes invités ici présents sur ce plateau avec Pascal Grelot-Gérard. Bonjour, alors bien dans le micro. Bonjour. Vous êtes directrice expertise Market Intelligence chez Kantar TNS. Oui, tout à fait. Et vous allez nous parler des attentes des consommateurs concernant ces trois mots très importants. Xavier Terlet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur du cabinet XTC World Innovation. Et je rappelle aussi que vous avez accompagné le CIAL pour la création du CIAL Innovation à Paris, mais aussi dans d'autres hubs du CIAL, hein, à absolument, Shanghai, absolument. À Montréal, donc plus précisément. Oui, à Jakarta, à Abu Dhabi. Voilà, un petit peu partout. Un petit peu partout dans le monde. Et vous allez aborder le goût, le vrai, le sens du point de vue de l'offre mondiale. C'est ça. Et puis, le petit nouveau de la bande, c'est Bernard Boutboul. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes président de Gira Conseil et vous allez donc compléter cette étude du CIAL avec une étude quantitative et qualitative sur les tendances de la restauration dans le monde. Tout à fait. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, puisque vous êtes le nouveau, on va dire, présentez-nous Gira Conseil. Gira Conseil est un cabinet d'accompagnement et de conseil auprès des acteurs de la restauration. Alors, sur les aspects marketing, stratégie et développement. Et donc vous êtes ciblé un peu plus sur la restauration. Tout à fait, et que sur la restauration. Alors pour cette étude précisément ou de manière générale, c'est vraiment sur la restauration? De manière générale, nous travaillons en fait sur toutes les formes de consommation alimentaire hors du domicile. Alors quel est l'objet de cette étude? Toujours dans le Food 360, XTC Innovation et tout ça, c'est ça. On est... Alors on peut dire qu'il y a en fait trois approches. Trois approches qui, en fait, expliquent quelles sont les tendances de consommation des consommateurs, et ça, c'est l'étude Food 360. Il y a aussi toute l'analyse de l'offre, et ça, c'est Xavier qui la prépare, et puis Bernard, en termes de restauration. Alors, comment sont ressortis ces trois termes? Oui, pardon, Xavier. Non, je dirais, et au-delà de ça, c'est quand même la seule et unique étude, même au niveau mondial, qui regroupe justement ces trois éléments, à la fois qui compare pour observer l'offre, qui observe le consommateur, parce que le consommateur, il a des attentes, il y a une offre, mais est-ce que tout ça correspond et est-ce que c'est la même chose selon les pays? Est-ce que l'offre qu'on retrouve dans la grande distribution ou en restauration est la même, etc. Et ça, au niveau mondial, c'est-à-dire dans 10 pays différents, cette étude a été menée. C'est la seule et unique étude qui existe au monde là-dessus. Et comment sont ressortis ces trois termes? Le goût, le sens, le vrai. Non, le vrai, le sens. Il faut que je le dise dans le bon sens. Le goût, le vrai, le sens. Est-ce que justement, c'est important de les dire dans le bon ordre? Je crois, oui. Moi, c'est mon point de vue. Il y a peut-être débat là-dessus, mais il faut commencer par le goût, parce que l'alimentation, c'est avant tout une affaire de plaisir. Hein, quoi qu'on dise, on dise le consommateur, il veut se soigner en mangeant. Non, s'il veut se soigner, il va dans une pharmacie, il ne va pas dans un restaurant, il ne va pas dans un magasin. Donc, c'est avant tout une affaire de goût, l'alimentation. Donc, je placerai le goût en premier lieu. Alors on va... Oui, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec Xavier. J'aurais même tendance à dire que tout de suite, en deuxième position, derrière le goût, il y a le sens. Mais au niveau du goût, en tout cas dans la restauration, on observe que sur la planète, il y a un grand retour du produit dans l'assiette. C'est le grand retour du produit. Après, peut-être un peu s'être égaré. Je parle du fast-food malbouffe, on l'appelle comme ça, ou de certaines formes de restauration qui n'étaient pas à hauteur du goût attendu par le consommateur. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Pascal Grelot-Gérard, justement sur les attentes des consommateurs concernant le goût. Alors, concernant le goût, ce que l'on voit dans nos études, c'est véritablement une attente importante du consommateur. On le sait déjà, si un produit n'est pas bon ou n'a pas bon goût, les consommateurs ne le rachètent pas, ne le reconsomment pas. Mais aujourd'hui, les attentes de consommateurs, elles se sont transformées, elles sont plus élaborées, plus qualitatives. D'ailleurs, je voudrais citer un premier chiffre qui est que 66% des consommateurs dans le monde recherchent des produits qui sont de plus grande qualité. Et ça, c'est vrai dans l'ensemble des pays. Ensuite, ce qu'on voit également, c'est que la dimension plaisir prend le pas, c'est-à-dire elle continue à être de plus en plus associée à l'alimentation. Et c'est particulièrement vrai dans les pays européens, pour lesquels les scores que l'on voit ont progressé de 4 points en France, mais également de 10 points, de 16 points en Allemagne, sur cette association goût et plaisir.
et alimentation et plaisir. Et enfin, un dernier point, c'est tout ce qui concerne la découverte, puisque en fait, les consommateurs sont 62% à aimer découvrir de nouveaux produits. Et bien ça, c'est une vaste opportunité hein, pour les industriels et pour les restaurateurs de faire découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles sensations, de nouvelles textures. Et du point de vue de l'offre mondiale, le goût se positionne comment ? Alors, le goût, ce qui est étonnant de voir, il suffit d'aller sur le Spatial Innovation ou simplement dans les allées du salon, de se rendre compte que le goût est un petit peu différent proposé aux consommateurs aujourd'hui. On n'est pas sur des goûts comme on a eu dans les années, il y a 2-3 ans, qui étaient des goûts un peu consensuels, que tout le monde aimait. On va parler du yuzu, on va parler de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je dirais, segmentant. Des goûts forts, des goûts puissants comme la truffe par exemple qu'on voit partout, le gingembre, le safran et tout cela dans des produits du quotidien, des pâtes, des conserves de poisson, etc. Donc vraiment des goûts puissants, mais l'important, et ça va peut-être nous amener au deuxième sujet, c'est que ces goûts soient apportés naturellement, soit par des ingrédients naturels comme je viens de le dire, soit par des process naturels. Ça va être l'infusion par exemple, qu'on retrouve beaucoup en restauration. On infuse pour donner du goût et c'est un process naturel, comme la maturation. On mature la viande, par exemple, aujourd'hui, c'est lui donner un goût très prononcé. Il faut aimer la côte de bœuf qu'à 4 semaines, par exemple. Donc, c'est vraiment donner du goût naturellement. Ça, c'est ça qu'on remarque. Le goût, cette année, c'est ça. Puissant et naturel. Et du côté de la restauration ? Alors, du côté de la restauration, on veut retrouver, comment je pourrais dire, le goût d'origine, le goût authentique. Parce que c'est vrai qu'on a un peu dérivé vers des produits masqués, des produits où on a ajouté un certain nombre de choses qui a modifié le goût d'origine. Et à un moment, le consommateur dit, mais au fait, est-ce que c'est le vrai goût d'un poulet fermier ? Est-ce que c'est le vrai goût d'une tomate, etc. Et on a été jusque-là et le consommateur aujourd'hui réclame ce goût véritablement tranché et marqué du goût d'origine. Ça, c'est très important. Donc, finalement, ce sont deux termes qui sont très, très liés. Le goût et le vrai, dans cette étude, on voit que les deux sont indissociables. Voilà. Et on remarque aussi que sur les produits, de plus en plus de produits ont des listes d'ingrédients de plus en plus courtes. C'est-à-dire pour mettre le goût principal en avant, véritablement. Et parfois même, il y a des produits, par exemple, on nous dit, cette purée, c'est des pommes de terre, c'est un peu de crème fraîche, un peu de sel, et c'est tout. On précise bien, et ça, c'est en gros sur le packaging. Je rajouterais sur le vrai, parce que c'est vrai que le vrai est un peu lié au goût, c'est qu'on a eu affaire dans la restauration au niveau mondial et particulièrement en Europe à une exigence de transparence totale. Le consommateur veut savoir d'où vient ce qu'on lui met dans son assiette et comment cela a été cuisiné et voire même avec quel fournisseur. Il faut tout aujourd'hui lui dire. Oui, il veut retrouver confiance aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien manger, c'est avoir du plaisir et c'est avoir des produits savoureux, mais ça ne suffit pas. Il faut être sûr que ce qu'on le met dans son assiette apporte des garanties de produits sains, apporte des garanties de produits de nourriture équilibrée. Ça, c'est ça, bien manger pour les consommateurs. D'abord des produits sains, d'abord des produits, une nourriture équilibrée. Et aujourd'hui, finalement, les consommateurs, ils sont un petit peu en réserve par rapport à ce que peut proposer l'industrie agroalimentaire. Et parce qu'en fait, il y a eu un certain nombre de dérives. Aujourd'hui, les industriels, les restaurateurs ont fait beaucoup d'efforts pour modifier la composition, ouvrir de nouveaux produits. Mais le consommateur est de plus en plus conscient que ce qu'il met dans son assiette peut avoir un impact sur sa santé. Et donc, ces nouvelles exigences d'une nourriture qui soit plus saine, plus sûre, plus naturelle, a deux conséquences. La première, c'est une exigence de transparence, comme le disait Bernard. 9 consommateurs sur 10 dans tous les pays qu'on a interviewés veulent plus de transparence sur l'origine du produit, la composition du produit, les ingrédients, d'où ils viennent, voire même les process de fabrication. Et en France particulier, en France et en Allemagne, les consommateurs, presque 4 sur 10, veulent aussi savoir comment c'est produit dans les fermes, c'est-à-dire les conditions agricoles, les conditions d'élevage. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc là, on glisse tout doucement. Oui. On est passé du goût au vrai, et on arrive au sens. Alors, on est toujours dans le vrai. Le vrai, c'est bien ça. C'est apporter des réponses sur la transparence et apporter des réponses en termes d'autres produits, sur des produits qui soient plus naturels, sur le bio, par exemple. Et puis aussi sur les labels de qualité. Il y a des pays pour lesquels les labels de qualité sont extrêmement importants pour aider les consommateurs à choisir des produits qui leur paraissent plus sûrs. Oui, alors, par rapport à ce consommateur, Pascal disait que le consommateur était de plus en plus, et je crois surtout le français, conscient du risque alimentaire. Oui. Il veut des garanties à ce niveau-là. Donc, les garanties, elles peuvent être multiples. On a évidemment ce qu'on appelle les produits sans indésirables.
en matière d'offres, beaucoup de produits sans antibiotiques, sans pesticides évidemment, sans colorants, sans nanoparticules, sans nitrites, sel nitrité par exemple, on en voit beaucoup sur ce salon. Également, l'explosion du bio, on ne peut pas le cacher, aujourd'hui le bio est partout, et c'est un bio de masse, puisque maintenant les grandes multinationales y viennent, avec quelques parfois difficultés, parce que le volume fait nécessaire fait que parfois il est difficile de... pour certaines grandes multinationales de se sourcer en France, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon voilà, c'est comme ça, ça laisse du potentiel aux PME, aux petites entreprises sur le bio, cette revendication aussi, ça explique l'explosion du végétal. Ce CIAL est un salon du végétal, énormément de produits, pour ceux qui ont envie d'avoir plus de végétal dans leur alimentation. Alors Pascal nous dira combien de personnes, c'est de plus en plus de personnes, je parle bien de vous et moi, pas forcément un vegan ou pas forcément un végétarien qui représente une part, petite part de la population, hein, moins d'1% pour les véganes par exemple, mais ceux qui représentent environ 45% de la population qui veulent plus de végétaux dans leur alimentation, aussi bien en cœur de repas qu'en dessert par exemple, mais qui ne renoncent pas non plus à la viande ou au poisson. Et point de vue de la restauration alors, quel est le vrai ? En parlant du vrai, on effleure évidemment le sens. Je disais tout à l'heure qu'il y a le grand retour du produit. Et ça se traduit comment dans l'esprit du consommateur? C'est qu'hier, on allait dans un restaurant où on allait choisir un produit avec une carte plutôt longue, et le consommateur a complètement inversé son processus de choix. Il veut choisir un produit et il va choisir le restaurant qui va pouvoir lui donner le meilleur de ce produit. Il a totalement inversé son process de décision. Alors, est-ce qu'il l'a inversé parce qu'on lui a dit que c'était mieux d'avoir une carte courte? Est-ce qu'il a eu plus d'informations sur ce sujet? Ou est-ce que c'est venu de lui-même? C'est venu de lui-même, puisqu'il veut le meilleur, il veut le goût. Donc, quand il dit on se fait un chinois, on se fait une pizza, on se fait un burger, par exemple, il veut le meilleur burger, il va chercher le meilleur burger. Et après, il va chercher quel est le meilleur acteur qui peut lui donner ce très bon burger. Et les réponses sont là, dans le secteur agroalimentaire. Est-ce qu'on... Pas seulement les réponses, mais les exigences. C'est-à-dire qu'en fait, cette notion de sens, on est vraiment dans ce que je pourrais qualifier d'une alimentation choisie. C'est-à-dire que le consommateur fait vraiment des choix. Soit il va acheter ses produits dans des circuits courts, et on voit que ça progresse dans beaucoup de pays, soit il va changer son alimentation, et comme le disait Xavier, il va consommer moins de viande. Dans notre étude, on a un consommateur sur deux qui nous dit qu'il va consommer moins de viande ou plus de viande dans le futur, donc c'est quand même beaucoup, même si aujourd'hui on n'est pas dans des scores aussi importants. Et puis, c'est aussi choisir de manger des produits à base de végétaux. C'est aussi faire plus attention au gaspillage alimentaire, faire plus attention au bien-être animal, choisir ou privilégier certains produits parce qu'on aura des preuves sur la manière dont ont été élevés les animaux pour faire ces produits. Et puis, c'est avoir cette conscience que le consommateur, il se sent acteur de cette planète food. Il est lui-même conscient que c'est lui-même le consommateur qui doit être le premier acteur pour réduire le gaspillage alimentaire. Il est plus responsable aujourd'hui. Il se sent plus responsable, en tout cas il l'affirme et il a envie d'incarner cette responsabilité. D'ailleurs, un autre exemple, c'est la bonne rémunération ou la juste rémunération des agriculteurs. En France, par exemple, on a 73% des Français qui nous disent qu'à leurs yeux, les agriculteurs ou éleveurs ne sont pas assez bien rémunérés pour leur travail. Et ce qui est plus important, c'est qu'il y en a 3/4 qui se déclarent un peu plus prêts à payer quelques centimes de plus pour assurer cette bonne rémunération, si tant est qu'ils aient la garantie que ça tombe bien dans la poche de l'agriculteur. Est-ce que ça, c'est réel uniquement en France ou aussi dans le monde, on est conscient qu'il faut rémunérer mieux l'agriculteur de son produit qu'il offre? Alors, c'est vrai dans certains pays, moins dans d'autres, et en particulier en France, en Espagne, ce sont des choses qui sont importantes. Oui, mais parce que, justement, on revient justement à cette communication en France. Est-ce que avant les conflits, justement, des agriculteurs, est-ce que les Français étaient conscients de tout ça ou J'ai pas de chiffres avant, mais il y a pu y avoir ces conflits. Il y a pu aussi avoir tous les reportages sur la détresse et le changement du monde agricole. Je veux dire, c'est un ensemble de facteurs qui influence cette prise de conscience. Alors, en matière d'offres, moi, je dirais que cet aspect du sens, hein, dont on parle aussi bien le bien-être animal, la juste rémunération, elle existe en France. Il y a des choses qui existent.
On connaît le succès, par exemple, de la gamme C'est qui le patron, hein, qui expose sur le salon. Il y en a d'autres, mais ça reste quand même très timide. Et également, la notion de rapport au prix est un petit peu difficile à percevoir chez le consommateur. Enfin, Pascal le dira beaucoup mieux que moi. Le consommateur, il est quand même toujours intéressé et le prix reste la première valeur de consommateur. C'est-à-dire qu'en face d'un bénéfice, il met un prix. Voilà, donc c'est ça qui est important. Mais je dirais qu'en matière d'offres, il y a un vrai décalage aujourd'hui. C'est là où il y a sans doute le plus fort potentiel pour les industriels, c'est ces dimensions-là. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté du consommateur d'avoir, Pascal l'a dit, des produits de proximité, des produits de bien-être animal, qui respectent le bien-être animal, des produits qui rémunèrent au juste prix les éleveurs ou les producteurs. Malheureusement, l'offre aujourd'hui est encore en décalage par rapport aux besoins du consommateur, à mon avis. Alors, dans la restauration, nous, ce qu'on s'aperçoit sur le bien-être animal et le fait que les agriculteurs et les éleveurs vivent correctement, c'est qu'il y a 3% de végétariens aujourd'hui, alors que nous serions 40% de flexitariens. Ce qu'on appelle aujourd'hui un flexitarien, c'est quelqu'un qui a décidé, consciemment ou inconsciemment, de diminuer sa consommation de bœuf, mais en manger de meilleure qualité. Mmh. Et de temps en temps, ces flexitariens souhaitent un plat végétarien, alors qu'ils ne sont pas des végétariens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les restaurants, de la restauration rapide jusqu'à la haute gastronomie, doivent avoir au moins 2 à 3 offres végétariennes. Non pas pour les végétariens, mais pour les flexitariens. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc on arrive à cette conclusion, on a fait le goût, le vrai, le sens, on fait vraiment le tour de l'horizon. Quelles sont les conclusions justement de cette étude? Moi je crois que la conclusion qui s'impose en tout cas pour moi, c'est une véritable prise de pouvoir des consommateurs sur leur alimentation. Ils choisissent en conscience, davantage en conscience, et effectivement le prix est toujours un facteur important de choix, mais les bénéfices en rapport de ces prix sont importants également. Donc le prix, on le mettrait où finalement? On le mettrait plutôt dans le vrai ou dans le sens? Dans l'un, dans tout. Le prix est dans tout. Le prix est une valeur de comparaison par rapport à un bénéfice global qu'on peut avoir. Vous avez du goût, du vrai, du sens. En face de ça, vous mettez un prix. Et le consommateur est prêt, l'étude le montre aussi, à mettre un prix. Alors attention, doucement, légèrement supérieur, si le bénéfice est là. Quand vous achetez votre petite tablette de chocolat à la fleur de sel de Guérande, vous êtes capable de dépenser 10 ou 20 centimes d'euros de plus pour avoir ce petit plaisir en plus. Hein, ou alors, si vous êtes attaché à la cause des éleveurs, par exemple, vous serez peut-être prêt à mettre un petit peu plus pour ces produits-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comparer. On n'est pas dans un rapport qualité-prix. Ça ne veut rien dire. Parce que si on baisse le prix, comme font tous les discounters, on baisse la qualité. On est dans un rapport bénéfice-prix. Et quelle est votre conclusion justement sur cette étude, Xavier Terlet? Je dirais qu'il ne faut pas oublier que ma conclusion, c'est que l'alimentation est avant tout affaire de plaisir. Et on est là pour apporter du plaisir aux consommateurs avant d'apporter de la transparence, avant d'apporter du sens. Ça doit être du plaisir avant tout qu'on donne aux consommateurs. Votre conclusion, Bernard Boutboul? Alors ma conclusion, c'est qu'on parlait du goût, on revenait au goût et au prix. Dans la restauration, c'est très lié au goût et à la qualité du produit. Autrement dit, on a affaire aujourd'hui à des consommateurs qui ont compris qu'un aliment et qu'un plat cher avait une justification au niveau de sa transparence, de son goût et de sa qualité. Autrement dit, les prix bas inquiètent dans la restauration alors que les prix hauts interpellent. Et là, aujourd'hui, il faut justifier par la qualité et par le goût. Donc, les consommateurs disent aujourd'hui, et ils le font, ils sont prêts à payer plus cher. Est-ce que les consommateurs consomment plus chez eux ou dans la restauration? Est-ce qu'ils vont autant en restauration qu'au restaurant qu'avant? Ah, on va de plus en plus à l'extérieur de notre domicile pour 2 raisons essentielles. C'est que le taux de retour à domicile le midi en semaine s'effondre partout. Donc nous bougeons de plus en plus vite, de plus en plus loin et nous mangeons de plus en plus à l'extérieur de notre domicile. Et la deuxième raison, si on regarde la France, par exemple, les Français savent de moins en moins cuisiner et c'est vraiment pas prêt de s'arranger. Donc de ce côté-là, on ira de plus en plus hors de notre domicile. Mais attention, ils n'iront pas n'importe où. Alors nous, c'est la première fois qu'on se rencontre ici au CIAL. Oui. Pour vous, le CIAL, ça représente quoi? Ça représente le premier salon mondial de l'alimentation. Ça représente la tendance de ce qui est en train de se passer et surtout ce qui va se passer à un horizon 10-15 ans. Là, on sent très très bien au CIAL qu'on a vraiment l'axe sur lequel il faut se diriger tous. Quel est votre programme pour ces 5 jours? Beaucoup de choses. Je fais une conférence tous les jours, cet après-midi, de 16h à 17h. Sur le marché de la restauration en France et dans le monde.
Et puis, je serai avec vous tous les matins sur ce plateau. Exactement. On va reparler pour celles et ceux qui n'auront pas eu l'occasion de voir effectivement cette conférence, de la revoir tous les matins, rien que pour vous. Quel est votre programme à vous? Alors, notre programme, eh bien, c'est le Ciel TV également, et puis une conférence également tous les jours sur les résultats de cette étude Foot 360, et puis également des conseils en termes d'innovation pour aider les entreprises à mieux innover. Et nous avons un stand qui est juste en face de Ciel Innovation, juste à côté de celui de Xavier. Donc, venez nous voir et venez vous renseigner. Et le Futur Lab, alors, le Futur Lab et le Ciel Innovation, dites-nous un petit mot. Eh bien, déjà, l'espace Ciel Innovation à l'entrée du Hall 6, hein, j'encourage tout le monde à aller voir cet espace-là. C'est le cœur nucléaire, si j'ose dire, du Ciel, hein, puisque le Ciel est le salon de l'innovation. On a vu passer 3000 nouveaux produits présentés par les exposants avant le salon. On a, en toute indépendance, sélectionné ce qui nous paraissait vraiment apporter un nouveau bénéfice aux consommateurs. On a retenu environ 800 produits. Et là, il y a plus d'environ 300 produits qui sont exposés, avec les éléments d'études dont on a parlé aujourd'hui, de Kantar TNS, de Jira et d'XTC qui sont présentés donc sur cet espace à l'entrée du Hall 6. Et puis effectivement, une mise en avant des startups sur Future Lab. Des startups, c'est ces petites entreprises qui proposent des choses un petit peu nouvelles, un regard nouveau sur l'alimentation et des choses vraiment très intéressantes à observer. Bon, merci infiniment. Donc, on se retrouve demain matin, ici, à 10h30, à la même heure. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez avoir toutes les informations sur ce qui se passe ici, sur Social 2018, vous téléchargez l'application Matchmarking pour voilà, tout savoir, des conférences, des émissions de télé, tout ce qui va se passer donc, ici sur le Social. Allez, on se retrouve très vite pour d'autres émissions. À très vite. Merci.